Tipeee les gens, et bienvenue dans cet épisode où on reprend les bases, à savoir, qu'est-ce que c'est trans et qu'est-ce que c'est cis. Donc, déjà trans, on admet que c'est le diminutif de transgenre, et cis, on admet que c'est le diminutif de cisgenre. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais dans l'absolu, à peu près tout le monde s'accorde sur trans et cis. Utilisez ces mots-là. Qu'est-ce donc ? Une personne trans est une personne qui, à sa naissance, a été assignée d'un genre dans lequel elle ne se reconnaît pas. Exemple, moi, j'ai été assigné homme à la naissance. Il y a un médecin, il a dit, il y a un pénis, c'est un garçon, il faudrait mettre un M sur la carte d'identité. Enfin, il n'a pas eu besoin de dire ça. Il a dit, c'est un garçon, parce qu'il a vu un pénis et ça suffit à tout le monde pour déduire tout ce qui vient de se passer. Les personnes cis, en revanche, sont des personnes qui ne se reconnaissent pas d'un autre genre que celui qu'on leur a assigné à la naissance. Simple. Exemple, il y a un pénis, le médecin dit c'est un garçon, la personne dit je suis un garçon. Ressent, je suis un garçon, et voilà. Fin de l'histoire. Vous avez tout compris, c'est merveilleux. Ciao ciao, Tipeee.